franchement, toi, tu me dis pas si je suis pas bien, tu me dis pas. T'es bien. Ma capuche, elle est comme ça, on dirait que je suis en train de m'étrangler. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec l'équipe de choc, Ramdan et monsieur Sofiane. Donc, les gars, vous savez que le ramadan, ça arrive. Ouais, on se doit de dévaliser un restaurant. Oh là là. On va aller manger, je les ramène dans un nouveau burger, ouais, il a ouvert il y a 2 semaines. Ça me fait grave rire, ça. Hein. Parce que tu vois, on dévalise tous les restaurants à chaque fois avant le ramadan, alors pendant le ramadan, on mange comme des gros porcs. C'est vrai. Venez les gars, je vous emmène, on va dévaliser ça. Let's go. Donc le resto s'appelle Well Done Hellef Burger. Non, je gagne pas Hellef. On va voir ce qu'il y a sur la carte. T'as fait emporter. T'es ma tous les burgers. Non. Tu veux prendre à emporter, Sofiane? C'est lui là, tu l'as fait emporter. Les gars, on a aussi des hot dogs. Non, mais là, je montre juste la carte. Comment tu dis? Des hot dogs. Des hot dogs, ouais, des ah, bien, dogs. Ça doit être ça. Là, on a des. Il a dit quoi? Des hot dogs. Là, on a des. Pour les enfants, on s'en fiche. On a bien produit un truc. Oh, des trucs. Oh, il y a des morceaux de poulet. Oh, des mozzarella, c'est pour Ramdan. C'est quoi allez, ça? Mais, ça, c'est attends, attends, on va dans le dessert. Il y a un truc que j'ai déjà vu sur TikTok. Ça, c'est ça. Non! Indisponible! Il est venu pour ça! Vas-y les gars, on va commander et on se pète après. Les gars, ça y est, on a fait les commandes. Ils sont en train de préparer là-bas. Donc là, les gars, merci. Comme c'est bientôt le ramadan, je vous ai mis un buzzer. Je vais vous poser des questions à voir qui est le plus chaud d'entre vous, ok? Pas de triche, hein? Attends, déjà, main sur la table, s'il vous plaît, tout le monde. Main sur la table. Voilà. Alors. Je vous propose 3 réponses à chaque fois, vous me donnez la bonne. Qui a le droit de ne pas jeûner entre le sportif de haut niveau, l'étudiant en examen ou le voyageur et le malade? Le voyageur. C'est quoi? Le voyageur et le malade. 1-0 pour Sofiane. Allah dit, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, il aura le droit de ne pas jeûner. Vas-y, je vous laisse un. Il a des réflexes. Je vous laisse une autre question. Entre Ramdan et Yassine, parce que toi t'as déjà un. Ah, laisse-moi tranquille, ça y est. Quand c'est l'heure de manger le soir, quel est le meilleur comportement à adopter? Soit on attend 5 minutes avant de rompre, soit on prie 2 locrètes, ou soit on se précipite pour rompre le jeûne. C'est quoi entre les 3 réponses? On prie 2 locrètes. On fait quoi? On prie 2 locrètes. Et toi, tu dis quoi? On attend 5 minutes avant de rompre le jeûne. Non, on se précipite pour rompre le jeûne. Bonne réponse. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il faut se précipiter. Et tu sais que même quand c'est la prière, il faut se précipiter. C'est le premier, il faut y aller grave. Exactement. Le messager d'Allah, Ali Satsam, il a dit perdu. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Donc quand c'est l'heure, il faut manger les gars. La commande vient d'arriver, on commence avec Ramdan. C'est dinguerie. Ramdan, il vient de recevoir une assiette de frites. Cheddar. Fanta. Sors le burger un peu. Bunger. Comment il a l'air mou. Il a marqué, dessus il a marqué well done. Well done. Sors le. Ça veut dire quoi Ramdan well done? Ça veut dire bien joué. Bien joué, ok. Vous l'avez dit dans la voiture. Oh, oh, non, c'est moi qui l'ai dit. Wow. On dirait pas le pain du filet au fiche. Ouais. Par contre, j'enlève la salade, désolé. Ensuite, tu venais. Regardez les frites comment elles sont. Il a pas pris de cheddar. Les frites, elles sont grave chillées. Un petit coca. Un petit burger. Donc moi, c'est le smoky. Il y a de la viande et du bacon. Du barbecue. J'ai pris des petits accompagnements. Wings, mozza stick et théma de dessert. Wow. Je me suis rattrapé quand même. J'ai vraiment envie de dessert. Comme Ramdan, le même burger avec de fromage. Frites, moi, j'ai pas pris tourner les frites normales et un santé. San Pellegrino. Bon, la famille, je vais vous poser une question. S'il vous plaît, lavez-vous les mains avant et vous avez des serviettes hygiéniques. Ils sont où? Ah ouais, comme dans les gars, on va poser une question et ouais, le premier qui répond, il aura le droit de taper son premier croc. Juste avant, j'ai un truc à dire. Normalement, le ramadan, c'est jeudi et il n'y a pas de vidéo le jeudi. Mais là, demain, 16h40, il y a une vidéo. Le premier jour du ramadan, donc je compte sur vous dès que vous rentrez de l'école. Inch'Allah. Il y aura le premier jour, Inch'Allah. Donc, du coup, attends, on met ça au milieu. Ah ouais, au milieu. En vrai, c'est mieux vous lever la main. Alors pourquoi je vous pose la question? C'est très simple, pour voir qui va taper son premier croc dans le burger, qui va pouvoir l'inaugurer. Déjà, qui a envie en vrai? Qui a envie? Est-ce que tu nous autorises un croc dans les frites déjà? Ouais, bah c'est le premier. Ouais, vous faites vos. Vas-y, testez les frites d'abord, chacun votre tour. Ramdan, il commence. Ok. Mmh. Une note de 1 à 10, on commence par Ramdan. Le fromage, il a grave du goût, 10 sur 10. Younes, 10 sur 10. Sofiane, c'est vrai qu'il a grave du goût. Là, je suis vraiment épanoui. Oh là là. Est-ce que vous êtes curieux pour la suite? Oui, je suis très curieux. Okay. C'est comme des chips, mais en fondant, genre. C'est incroyable. Vas-y, pose la question que j'envoie un croc dedans là. Question simple. Combien? Question simple. Hein. Au minimum, genre le moins de jours possible qu'on puisse jeûner pendant le ramadan. Younes, 29. Exactement. Il a gagné. Il va taper son croc, bismillah. Oh là 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 là. Vas-y, quand tu veux. Oh le méga croc. Il a dit quoi? De quoi? C'était quoi la question? Le minimum de jours qu'on puisse jeûner au ramadan. Magnifique. C'est comment ça change du McDo, du truc et tout.
c'est trop trop bon. Une note de 1 à 10 ? 9,9 sur 10. Wow. Et vu que j'ai bien trouvé la question, je vais laisser Sophie en 2e et Ramdan en 3e. Est-ce que t'arrêtes pas de manger des fruits ? Désolé. On m'a laissé Sophie le tester. En vrai, sans sauce, ça passe sans sauce. Hein. Wow. Il va tester ça, Sofiane. T'as vu, il y a la marque. Well done. Bien joué. Oh, les gamins, eux, ils ont une galette de mozzarella aussi. C'est bon, c'est incroyable. Une note de 1 à 10. 10. C'est un bon à ce point-là. Vas-y, à toi. C'est à mon tour. À toi, Ramdan. Ramdan, est-ce que tu. Non, je vais pas. Non, je suis pas un gros pro, c'est bon. Non, j'allais pas dire un gros pro. J'allais dire, est-ce que tu veux mettre des frites dedans ? Lui, il aime bien, lui. Ouais, il rajoute du fromage. Sachant que lui, il est grave compliqué. Une note de 1 à 10. Ouais, j'ai fait comme Kid, comme Yulé. Ah ouais, c'est ça. Et moi, au Ramadan, je vais faire ça. Une note de 1 à 10, du coup ? 10. C'est allez, archi bon. Vraiment 10. Il y a aussi ça, regardez. Ah ouais, mozza stick. Ça correspond à toutes mes attentes. Oh wow. C'est très doux. C'est vrai, il t'avait demandé s'il pouvait goûter. Ouais, tu m'as dit que tu peux goûter. Merci. C'est bien. Et moi, je peux goûter ? Pas contre le cœur. Désolé. C'est quand tu jeûneras, tu vas regarder la vidéo et tu vois, ça va te faire du bien. Ouais. Ah, par contre, je suis choqué. C'est la première fois de ma vie que je vois Younes être le dernier en train de manger ses trucs. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. T'as vu, je t'ai pas demandé de faire un gros pro ni toi. Là, le Ramadan il arrive, il faut savourer. On sait pas si on sera encore. Regardez, Sofiane il a fini son assiette. Ramen il a fini son assiette. Younes, regardez le reste de son assiette. Temps. J'en ai marre de finir en premier. C'est bon, je prends mon temps. Micro. Est-ce que Ramadan ça t'arrive d'aller au restaurant avec ton petit frère ? Comme ton petit frère il mange pas tout et tu finis non, à sa place. Tu vois, c'est un gros porc, ça marche pas avec lui. Ah, quand t'es avec Myriam, ça marche. Myriam, ça marche encore. Myriam, ça marche encore, Sofiane. J'ai été au KFC, j'ai testé votre burger que vous m'avez dit. Alors, super bon le veggie. Le veggie, incroyable. Ouais. Tiens, je dirais le burger de Quick, là, spicy, là, je sais pas quoi. Le mets. J'ai pas vraiment de la viande. Chicken, ouais. Spicy chicken. Chicken, ouais. Tu veux, t'as pas encore dans le jeu, t'as le chien. Ah, j'avoue, vous avez pas essayé ça. Bah ouais, frère, moi, il y a une galette de fromage au milieu. Non, tu manges. Le Ramadan il veut rien savoir. Oh, les crocs qui se sont ouvrés. Je le regardais avant. C'est des crocs d'extraterrestres. Mange quoi à 5h du matin avant de dormir? Franchement. Rien. Lui, je sais qu'il mange rien. Si, justement. Ces dernières années, c'est vrai que je mange plutôt rien. Je sais, je le connais par cœur, rien. Parce que j'ai pas faim. Ah ouais? Mais avant, c'était quoi? C'était bol de céréales. Céréales, tu tapes ça que tu vas dormir. Bol de céréales, je bois beaucoup d'eau. Ouais. Et après, je vais dormir. Et toi, Sofiane? Ça dépend en fait, en général, je mange le repas qu'il y avait de la veille. Ouais, les restes comme moi. Riz, feuilles de briques. Ouais, voilà. Ou des frites, feuilles de briques. Ou... Ça veut dire que si t'as pas fait à 5h la nuit, tu dois t'envoyer. Non, pas de frites. Et j'aimerais en revenir à une chose, s'il vous plaît, les gars. Younes, il a dit que quand on est parti dans un magasin, il a vu les feuilles de briques, il a dit je peux plus me les voir. On est d'accord que les feuilles de briques, c'est un banger. Ouais, mais ça y est, frère. Et lui, il a dit il peut plus se les voir. Non, mais au bout d'un moment, ça y est. En fait, c'est pas toi, ça. T'es comme Younes. Ouais. Quand il y en a tous les jours, oh là là. Les feuilles de briques, c'est bon. Ouais. Ils sont pas en abusé. C'est surtout que c'est bien quand les gens ils innovent la recette, pas ouais. Tout dans la main. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous, t'as goûté la recette de henna, ouais. Elle est pas incroyable, à viande hachée. Ouais, c'est vrai, pour débuter, c'est l'original. Ouais. Mais pas tous les jours, s'il vous plaît les mamans. Et toi, Ramdan, les feuilles de briques que tu manges chez toi, ça a quel goût? Bah c'est viande hachée, vache qui rit, pomme de terre. Tout le monde, tous les robots, c'est pas non, nous c'est thon à la maison. Thon. Ouais, mais bon. Non, thon, j'aime pas, moi je préfère viande hachée. Et ma mère, l'année dernière, elle avait innové, elle fait quoi après? Oh, sa maman, elle nous a fait des trucs. Feuilles de briques, poulet cheddar. Oh là là là. Et moi, mon époque un peu fou, tu sais, je mangeais quoi? Feuilles de briques, fromage, pomme de terre. Wow. Ça doit être bon. C'est trop bon, je kiffais. Hey, je viens de me rendre compte que j'ai même pas utilisé les sauces, tellement j'ai pas besoin de sauce. C'est grave. Ah, à ce point-là. Voilà. On passe au dessert. Le meilleur pour la fin. En vrai, ça donne un faux. Il a dit c'est où, il n'y a rien pas fait. Ramdan, est-ce que t'en veux? Ah, c'est... ah ouais, Ramdan. Younes, est-ce que tu as partagé? Désolé, je suis pas trop avec vous. Eh, Ramdan. Oh, c'est où? Là, je suis en été à la plage. Vous savez, quand le mec il passe avec ses gaufrettes au chocolat, beignet. Ça coûte grave cher. J'avoue, c'est un peu rush, mais je fais plaisir. C'est le Ramadan bientôt, les frères. Encore un bon Ramadan à vous. J'espère que ça se passera bien. Inch'Allah, et rendez-vous demain à 16h40.
Vous avez validé, c'est bon? Non. Ouais. Lui, il va en dessin, mais c'est bon. Ah, je vais valider. Il s'apprêtait à partir. Il a pris un dessert. Toi aussi, tu vas prendre un dessert? Ouais, moi, c'est pris déjà. Ils étaient obligés, frère. Pris pareil que toi. Ils étaient obligés. Tu dis, Hellef, t'en as mangé un. Toi, déjà, t'as pas voulu partager. J'ai partagé avec Ramda. Non, il a pas voulu partager. En vidéo. Il a pas voulu partager, je suis témoin. Il a pas voulu partager. Et les gars, il a partagé. Je suis témoin aussi. Limite, une larme qui coulait ici. Après, il a fait ça. On veut Sofiane. Goûte, cette goutte. Il y a une crème à l'intérieur. Je l'ai vu, il y a une crème à l'intérieur. Comment tu l'as vu? Je l'ai vu. Quoi, t'as vu? La crème pâtissière. Je l'ai vu. Moi-même, je l'ai vu dès le début, la crème. Elle est bon? Si, il revoit, c'est que c'est bon. Ramdan, goûte le tien, il y a une crème au chocolat. Regardez comment il y a la crème. Moi, je le garde. Moi, je le cope. Wow. Ah, on dirait quoi? On dirait. Est-ce que vous voyez les sortes de gros gâteaux ronds où il y a de la pâte de sucre par-dessus? Ouais. Et en dehors, il y a une sorte de crème pâtissière. Comment ça s'appelle? La tropézienne. Ouais, la tropézienne, carrément. On dirait ça à l'intérieur. Toi, tu vas le garder pour après, pour le goûter? Ouais, pour chez moi. Tu veux que je te fasse une séquence? Non, si tu veux, bon.